coup pour vous en occuper. Oh, on va devoir. Bah oui. On va devoir en chier. Pourquoi il faut faire quoi? Salut! Ça va? Trevor is very pleased with how you're getting. Ça se voit que Serge il a peur, hein. C'est le seul qui porte un gilet pare-balles. Oui. Kind man who likes animals and children and smoking crystal while the sun sets. Okay. So you're going to the lumberyard in Palermo. Oh, la gueule du machin, c'est le dépôt de bois là, c'est la galère. Tu rappelles Serge, on avait fait une mission là-bas, comment on avait galéré. Le il y avait les FBI, il y avait les méchants, il y avait tout le monde quoi. Là, ce qu'on peut faire, c'est là on se regarde et après on s'enchaîne pour une sonnière de cannabis. Hey, j'aime bien, on a commencé par de la beuh, de la meth, ah ouais. Des pilules Viagra et maintenant du cannabis. Ah, c'est dommage que je sais pas si la musique de l'agence touriste elle est copyrightée. Bah, bien sûr. Si tu crois. Tu crois? Bah ça oui. Fait peut-être trop longtemps hein. Bah non hein, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps hein. Ah ouais, c'est pas faux ouais. Et même de toute façon, tout ce que tu te dirais c'est pas copyrighté, juste pour te faire chier c'est copyrighté. Non mais après tu peux toujours l'utiliser, la modifier hein, un peu. Ouais, si tu l'as modifié un peu. Moi, je suis guetteur. Attends, je suis avec qui moi? Atlan, on est quoi? On est une équipe au sol. Ouais. Toto et moi on va guetter comme on a fait pour la voiture l'autre gonzesse là. Ready to attack. Getter bigleux, ah d'accord. Non, un getter qui est bigleux, ça le fait pas. C'est même plus ce que vous voulez faire. Non, t'en fais. Tu sais que chez elle, ça veut dire qu'elle a du mal à respirer? Je sais pas, ouais. Mmh. Ah ouais, je suis secouriste, mais écoute-moi. Non mais je suis secouriste, mais écoute-moi. Hey, goût. Hey, il s'obstine à rester en bécane, là. Coco, c'est risqué ce que tu fais en activité. Non bah oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je te dis. Aïe merde, c'était un palmier. Il y a une empreinte derrière toi, ta voiture, il y a l'empreinte du palmier, du mec. Merde, ça y est, une empreinte green qui dégresse. C'est comme si tu viens de faire chier, mais c'est vrai. On pourrait tester à plus de 4 joueurs si hein, les gars peuvent se suspendre au bar. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait essayer. Hein. Oula! Ouais, celui qui aurait été suspendu, je crois qu'on aurait perdu une vie.
les gars, vous êtes plus là. Non, il a perdu ses deux. Il est où Atlant? Il est où Atlant? Bah, il y a les gants qui sont accrochés là-bas. Après, là, pour la dernière mission, on va voir demain à quelle heure on va vous lever comme ça, mon cœur. Oula, j'ai un gros freeze. Ouh, en fait, j'avais pas pensé, mais j'aurais même pas eu le temps. En fait. Parce que y a entre les pauses, en fait, on fait pas le temps. Oula, je fais de la merde. Avec un temps comme ça et tout, en plus c'est mieux, ça aurait été pour faire quoi, à squatter dans ma pelle de service. C'est pas le truc, hein. Non, on ne fait rien laisser passer, c'est quand on est service avec des billets, Christophe, tout ça pour faire la barbeuf, mais... Oula, non, oula. Je suis en mode vidéo, en plus, ça dépend. T'as fait tout sauf toucher la route, là, bon, voilà. Non, mais là, j'avoue, je fais de la merde, là. Bon, ça l'a dit, je vois que c'est véhicule est blindé, qu'il le rentre partout, hein. C'est clair. On arrive au début de la mission, vous êtes sérieux? Moi je suis en moto, j'ai aucune protection, j'ai même pas fait rien pour le deuil. Là je fais un saut de... Voilà. Wouah, ma moto où elle est? Bon, profitez-en pour ramasser des bananes. C'est votre invitation, je vais vous faire bannir pour cause d'inactivité. C'est la gueule, toutes les 5 minutes, je me tape la tête dans le tableau de bord, j'ai pas d'inactivité. J'avoue, je fais de la merde. Là, toi aussi, je suis en train de te dire, faut te reposer. Non, non, faut finir. Pourquoi t'achètes les hélicos là? Tu peux les avoir quand tu veux. Faut appeler le Pegasus. C'est genre en début de mission, ça serait terrible, tu prends l'hélico là. Non, non, on peut pas justement, c'est coincé. Dans les missions normales de GTA, tu peux. Mais là, dans les braquages, ils l'ont coincé exprès. Fumier. Oula, pas tombé. Non, je crois que... Bah, là, c'est plus qu'à angle droit, hein, virage. Pourquoi tu freines? Et je mets le masque. Pas mettre le masque pendant que tu conduis. C'est la console. Qu'est-ce qu'elle fait? Coupe le gazon, non, quoi. Je vais dans la console, j'enlève le truc, j'ai la main cramée dessus, tu sais. Rejoignez le poste d'observation. Ok. Attends. Attends, mais moi, genre, il faut pas que je descende. Moi, il faut pas que j'aille comme vous. Moi, je dois me mettre en position là-bas. Moi, je vais aller là. Ouais, faites gaffe. Bah, comme ça, c'est fait. Vous avez rien vu là-bas, hein? Oh, on fait que passer. Le gros 4x4 qui fait des tonneaux, c'est rien. Eh, hey, t'as vu? Ça, d'habitude, c'est pas là, regarde. La branche d'arbre avec les... Ouais. Et c'est impossible de le faire top discret, parce que en fait, à chaque gars qu'il y a, il regarde tous dans une direction. C'est qui l'équipe au sol? C'est moi et Serge. Toto. Mais il n'y a pas dit qu'on devait le faire discret, hein. Ouais. Oh, bah...
Serge, le 4x4 en face de nous, il y a deux gars. Trop tard. Ils se sont cachés. Ils sont morts. Oh, Toto, il lui a mis une balle dans la nuque. C'est trop beau. Allez-y, on le couvre. Attends, attends, on nettoie quand même avant. Il y a un black là. Arrête de bouger. C'est ça parce qu'il est noir. C'est quoi les pilotes? Hop. Oui, il y a des gars sur les toits. Bah, nettoyez-les. Ouais. Ah, c'est plus cher. Putain, des points qui apparaissent, je suis incapable de dire où ils sont. Ouais, moi pareil. Moi j'ai un poste d'observation, je parle plus du cul. Et... faites gaffe, là, vous en avez deux près de nous. Faites gaffe, Serge, derrière toi. J'ai un camion en face. Ah putain! Et vous pouvez pas prendre la mitrailleuse sur le camion? Là où vous êtes. Je suis. Faut prendre le pick-up. Non, je peux pas le prendre. Moi je prends un camion. Ah Toto, il faut qu'on prenne le pick-up. Ouais, t'inquiète. Serge, il te reste un camion. Ouais, ouais, mais... mais fais gaffe, il y a un gars à côté. Hein. Il n'y a jamais auto aussi bon ici. Il est où ce gars? Fais gaffe, hein, de là. Ah, bah, je peux me mettre derrière moi. Je veux que je conduise ou que je sois la mitrailleuse. Attendez que l'équipe qui est atteigne le pick-up par nous. Oh, on se bat. Et... attends, Toto. On va peut-être laisser passer le camion devant, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu m'as dit d'aller si facilement. Ouais, vas-y, c'est bon. Oh, j'ai oublié que j'ai pas ce chemin. Ouais, là, on va débloquer ce pick-up là avec la mitrailleuse, justement. Oh, ouais! Oh, bah, bon, je me le prends direct. Non, on fait d'abord. Non, non, on l'a pas fait. Non, mais Toto, il dit, ouais, j'ai déjà fait, j'ai jamais été aussi bon ici. Non, j'ai dit, moi, j'ai jamais été aussi bon tireur. Et là, j'ai dit, ah ouais, bah, moi, le pick-up, je vous le prends direct. Je vais peut-être vous attendre, non? Non, c'est bon, les gars. Je suis derrière toi. Hein. T'es juste derrière moi? J'écoute. Qu'est-ce que t'as fait, Toto? Ah mais là si on tombe dedans on est si on tombe dans le trou on est mort hein. Parce qu'on a 6 minutes hein. Ah ouais. Et Toto tu veux pas aller à la mitrailleuse vu que tu restes de freeze. Si tu freezes à ces endroits là on est. Ah ouais c'est ce que je disais hein, j'aurais dû vous laisser devant hein. Oh putain. Oh, je me suis retrouvé. Vas-y c'est bon, vas-y descends, 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 descends. Attends, putain, mais quel fils de pute de bonhomme de merde. Vas-y, Toto. What? Mais il rentre pas. Putain, moi, je trace comme un malade, mais ils sont devant. Putain, ils me font mal. Putain, faudrait que ma ville remonte là. Oh putain! J'ai loupé mon virage. Je passe devant. Ouais, ouais, j'ai vu.
Oh putain, sur notre droite. Ouais. Notre gauche. C'est pas normal. En face, en face, en face, fais gaffe. Oh putain. Dans le décor, ouais, j'ai vu ça. En théorie, t'as un pick-up qui est censé t'aider. Oh putain, hé hey, Serge, on a encore des barrages devant. Oh le putain, waouh waouh waouh. T'as les gens aussi qui coupent la priorité, je te jure, l'intelligence artificielle. Hein. Ah putain, je vais mourir. Bah tu meurs pas, tu en meurs pas. C'est... Il vous reste combien de kilomètres? Je sais pas mais... Il y en a 600 mètres derrière vous. Oh, et merde, et puis je me suis trompé de direction. Toi aussi t'as loupé la sortie. Ouais. On est pas loin, on rattrape là. À 2 kilomètres. Ouais c'est bon. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Oh là, et ça braque pas ces camions. En tout cas, il y a déjà plus les points derrière moi. Ouais, moi non plus, c'est bon là, je crois que c'est libre bon, juste. On a éclaté les derniers bonhommes avant de rentrer sur l'autoroute. C'est bon, entrepôt en vue. Ça va, on s'en est bien sorti quand même. C'est bon ? C'est sûr. Pas mal. T'as vu le calibre sur le pick-up ? Ouais, ouais. Ah, ça, on va bien nettoyer ça. S'il l'avait fait devant nous. Bah, nous, on pensait justement que ça venait de derrière. D'habitude, ça vient de derrière. Et là. Ah non, nous, on a eu tout sur le devant. Ouais, ouais bah, on a vu les barrages quand on arrive avec le tour. Il fait pas la salade. Tout seul tout, alors tu manges après avec moi après. Oula, elle est bonne ta marche. T'as 15 000 balles par mission de préparation, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Bah ça remboursera les mes deux 4x4 blindés que t'as explosé. Ouais, c'est ça, en fait.